Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 27e édition des prix EFI, sa première sous cette forme digitale bien entendu. Je vais maintenant partager le mot de la fin avec le plus jeune partenaire d'EFI, l'ISEG, ou plus particulièrement la directrice de l'ISEG Paris, Esther Lorselam, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous vous êtes associée à ce prix ? Alors, d'abord parce que nous suivons avec un grand intérêt depuis longtemps ce prix et nos étudiants travaillent régulièrement sur les case studies de EFI. Ensuite, parce que le prix EFI mesure l'efficacité publicitaire à travers les KPI et aussi la créativité. Et ça, c'est extrêmement important puisque dans notre vision de la communication, c'est important que la communication soit au service de cette efficacité pour aider les marques à se développer et à atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est quelque chose qui est spécifique au prix EFI que l'on apprécie à l'ISEG. Pour rappel, l'ISEG, c'est la grande école du marketing, de la communication et du digital qui forme en 5 ans des experts de ces métiers-là et avec une pédagogie au cœur de l'action, une pédagogie par projet. Et il y a un dernier point qui est extrêmement important pour nous, c'est les relations vertueuses entre les agences et les annonceurs qui sont mises en avant au travers de ce prix. Et c'est quelque chose que l'on essaye également de transmettre à nos étudiants à l'ISEG. Vous essayez aussi, j'imagine, de leur transmettre des bases pour être efficaces à leur tour le jour venu. Comment est-ce que ce palmarès vous inspire ? Comment est-ce que vous travaillez sur ce sujet ? Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on est dans les évolutions technologiques ont vraiment accéléré cette prise en compte de l'efficacité au travers des KPI, au travers aussi des indicateurs de la créativité, mais pas seulement de la créativité, aussi de la créativité dans la solution technologique. Mmh. Aujourd'hui, à l'ISEG, on fait travailler nos étudiants dans cette optique-là, à travers une pédagogie par projet innovante. On a notamment un projet qui s'appelle la Project Week, mmh, qui réunit plus de 1000 étudiants sur toute la France, 1000 étudiants de 3 écoles différentes, donc IART, SUP, qui sont des étudiants spécialisés plutôt dans le design, Epitech, avec des étudiants spécialisés dans l'informatique, et l'ISEC, donc, et on les fait travailler ensemble dans des conditions réelles sur des projets d'envergure. On a travaillé cette année avec Nike, par exemple, l'année dernière avec France Télévisions Publicité. Et l'idée, c'est qu'ils se retrouvent dans des conditions réelles pour réfléchir à une problématique d'entreprise et qu'ils puissent prendre en compte l'ensemble des évolutions à la fois créatives, technologiques et digitales. Ouais. Et ça leur permet d'aller beaucoup plus loin dans la recommandation, ouais, et dans l'étude de cas. Et de renouveler un peu le genre, j'imagine, d'innover et de mettre l'innovation un peu plus au service de la performance. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce dernier plateau. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux partenaires d'EFI d'avoir suivi aussi cette remise de prix à distance. Et puis merci bien sûr au jury de ce prix pour son exigence. On se retrouve l'année prochaine en chair et en os, si jamais le confinement se révèle aussi efficace qu'on le souhaite tous. D'ici là, portez-vous bien.